tous, on est sur l'avant-dernier vlog de l'année. On va parcourir, c'est lundi, on va parcourir. Je pensais qu'il allait faire beau, très chaud, enfin très chaud entre guillemets pour un mois de décembre. Écaille, donc je vais partir avec le t-shirt à manches longues et voilà. Je suis un peu triste, je m'attendais qu'il fasse un petit 6 degrés, là l'appli a dit 5 degrés. Au soleil il fait bon, mais je pense que je vais pas être très au soleil. Je vais faire entre 35 et 40 minutes, je pense, parce que j'ai beaucoup de choses à faire au travail. Déjà, genre là, vous parlez, c'est pas une bonne idée. Allez, je vous retrouve en courant. Et bah, c'est parti. Ils caillent. Ils sont pas là, les 10 degrés, moi, je vous le dis. Je vais pas trop vous prendre parce que j'essaye d'avoir un bon petit rythme. Un peu assez plus élevé que footing. Donc, je ne peux pas vraiment parler. Et j'ai pas envie de me cramer à vous parler. Mais vous inquiétez pas, on discutera après. Parce que là, je vais essayer de faire à peu près le même parcours que j'avais déjà fait une fois sans ceinture pour vous montrer les avantages de la ceinture cardiaque par rapport à uniquement la montre. Alors déjà, l'hiver, le gros avantage, c'est que je mets la montre par-dessus mon t-shirt, comme ça. J'ai pas de courant d'air, mais j'ai quand même une fréquence cardiaque. Je peux vraiment pas. J'ai vraiment ma fréquence cardiaque. Allez, on se retrouve ce soir. De toute façon, vous savez ce que c'est. On court, on fait demi-tour et on rentre manger. On est à peu près à la moitié. Les gens me répondent bien malgré la séance d'hier. Je transpire. Malgré que je me calme. Je vais pas tarder à faire demi-tour. Je vais même faire demi-tour maintenant. Peut-être que je serai moins prévu longtemps. Je sais pas. Non, je vais continuer un peu. Et après, je vais faire demi-tour. Et après, je vais rentrer. Comme ça, niveau timing, je serai mieux. Il est quelle heure? Il est 30, ouais, c'est parfait, ça en est pas mal niveau timing. Voilà, allez, on se bouge le cul. Vivement le printemps, vivement l'été, moi je vous le dis. Bisous! Et voilà, c'est fait les 35 minutes. Je suis plutôt bien niveau timing, donc j'ai pas mal marché avant de rentrer au boulot. Mais j'aime bien faire une récup active, on va dire. Après, j'ai le temps, vu que j'ai bien couru. Vous avez vraiment plus de batterie. Hein. Je filmerai sûrement pas ce soir. Mais après, je vais vous comparer cette séance et celle de la semaine dernière, je crois, où j'ai fait le même parcours pour vous montrer les infos que j'ai en plus avec la ceinture et les infos que j'ai en moins quand je ne l'ai pas. Et la précision aussi, par exemple, de la fréquence cardiaque, qu'il n'y a pas de petits trous. Enfin, vous verrez. Moi, je retourne travailler. Ce soir, je termine le montage de la vidéo de demain. Je vais sortir, mais avec les microbes qu'il y a à si proche des fêtes de fin d'année, j'ai annulé. Voilà, lâchement. Mais c'est pas grave, on va pas m'en vouloir. On fera quelque chose à la rentrée. Et voilà. Allez, à demain. À la piscine. Ah oui, je peux pas encore vous emmener à la piscine parce que je n'ai pas encore acheté la coque. Alors je crois qu'il est pas allé dans l'eau. Sans la coque, mais j'ai pas très envie. Je verrai si Vincent a besoin de sa GoPro ou si on échange les GoPro demain pour prendre la sienne. Mais s'il y a du monde, je pourrais pas, et il y a quand même souvent du monde. Donc c'est compliqué. Mais je pense qu'à Nice, on pourra la prendre. On a pris les combis, mais on n'a pas prévu de nager en mer. Mais si jamais on se motive, on pourra. Donc comme je vous ai dit, je voulais vous montrer la différence entre courir avec et sans ceinture cardiaque. À gauche vous avez sans ceinture, à droite vous avez avec ceinture. Donc là vous allez voir la différence au niveau des graphiques. Donc à gauche on va avoir beaucoup moins de graphiques. On va avoir l'altitude, l'allure, la fréquence cardiaque et la condition physique. Mais la condition physique est beaucoup moins précise sans la ceinture. On a la cadence de course. Pourquoi on ne la voit pas tout de suite à droite? Tout simplement parce qu'on ne l'a pas encore. Ah oui, et aussi les petits trous au niveau de l'allure. C'est quand je m'arrête pour filmer, voilà. Et la fréquence cardiaque, elle peut paraître aussi précise, mais vous voyez, elle est beaucoup moins linéaire sans ceinture qu'avec ceinture. Ceinture, on est tout le temps dans la même zone, alors que juste montre, on a des gros pics qui montent, qui descendent, parce que ça manque de précision de ce que je vous ai expliqué, que la montre n'est pas collée au poignet. Donc voilà, c'est la fin des graphiques. On s'arrête à la température qui ne veut strictement rien dire. Et à course-marche, alors qu'à côté, on va voir la longueur de la foulée, la cadence de course et le rapport vertical.
Donc la longueur de la foulée qui va nous permettre de savoir si on a une foulée assez longue ou trop courte. Rapport vertical, savoir si on est assez stable. Et on voit que moi, j'ai toujours des petits moments d'instabilité. L'équilibre et le temps de contact au sol. Donc on n'aura jamais 50-50 gauche-droite. Et le temps de contact au sol, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut. Il faudrait que je demande à Vincent. Et la fréquence respiratoire qu'on n'a pas, bah, vu que la montre n'est pas connectée au niveau des poumons. Ensuite, on va voir un petit résumé de tout ça. Alors, j'ai pas de calories consommées parce que soit je n'ai pas pris de gel ni de barre, soit je lui ai pas dit. J'avoue que je le fais très rarement de dire à la montre ce que j'ai consommé. Mais ça peut être pas mal pour après faire les calculs des calories consommées. Et voilà, on a le petit résumé de la fréquence respiratoire. Et on a aussi un petit résumé de notre dynamique de course qui est plutôt pratique à récupérer. Bonsoir à tous, on est mardi et la vidéo est pas sortie parce que j'ai merdé en l'exportant. Elle fait 32 gigas. C'est pas grave, il fallait bien que ça rebug. Du coup, je sais pas si elle va sortir ce soir ou demain. Là, on est à la piscine. Je vais rejoindre Vincent. Après, je vais faire les courses et après, on va rentrer se coucher. Enfin, non, on va manger, on va prendre les charmés. J'ai hâte d'être dans mon lit. Pas hâte d'être dans le bassin gelé. Il caille. Demain, je suis censée aller courir avec un collègue. Aujourd'hui, c'était quasiment pas possible. Il y a du brouillard, quoi. C'est compliqué cette saison. Hein. Vivement la semaine prochaine, Nice. Eh, pep, pep, c'est mes fromages. Alors, non, ça m'a mal commencé sur Rush. Non, ça, c'est mes fromages. C'est mes fromages à moi. C'est pas des fromages à toi. Bonsoir, on est mercredi. On vient d'essayer de me voler mes fromages de chèvre. C'est pas le thème. Le thème, c'est que je devais courir à midi. Ben, j'ai un travail. Des fois, ce travail déborde. Et j'avais une réunion qui était annulée, mais vous, je savais pas qu'elle était annulée, donc du coup, je me suis dépêchée pour rien. Et en plus, j'avais oublié la ceinture cardiaque, j'avais oublié ma serviette, mais bon, je me suis dit, il fait froid, ou je ne laverai pas, hein. De toute façon, j'aurais pas couru vite. Tant pis. Ben, du coup, je vais remonter sur le vélo, ce qui est déjà 18h10. Si vous voyez des taches sur mes vêtements, ben, je suis allée chercher les fromages chèvres au producteur. Il y avait des chiens, il y avait des brebis, il y avait des agneaux, il y avait des petites chèvres. Les chèvres, je les vois jamais. Les chèvres, on me les montre pas. Oui, sérieux, je sens le chien, je sens le mouton. Et donc, bah, ils m'ont fait des câlins. Voilà. Donc, je vais ranger les fromages de chèvres au frigo. Boire de l'eau parce que j'ai goûté les fromages. Et je vais monter sur le vélo. Ah oui, puis j'avais emmené la caméra aussi, la 360. Bah évidemment, elle avait pas de carte mémoire, donc ouais, rien n'allait. Donc je fais pipi, je m'installe, je me dis, j'avais plein de trucs à faire ce soir, mais c'est mal barré. C'est mal barré. C'est monté me changer, mais vu que je suis en retard sur toutes les lessives, mes cuissards, ils sont asséchés en fait. Donc je suis descendue totalement pour rien. Ah, mes écouteurs. Pas pour rien. Simple. Comment on peut faire qu'on dit, oh non, ils sont où? Non, ils sont dans ma doudoune, je crois. Oh bah, j'espère que je les ai pas paumés à la ferme. Regarde, mon agneau qui est en train de bouffer des écouteurs là, à l'heure actuelle. Je suis sur le dernier bloc, j'ai fait la moitié du dernier bloc. J'ai mal aux jambes. J'ai vraiment mal aux jambes. Mais c'est pas grave. Ça va le faire. C'est deux petites accélérations. Après, on récupère une dizaine. Bon, un peu moins de 10 minutes. 5 minutes, je crois. Je sais plus comment je m'appelle, moi, à la fin de séance. Et voilà. Pourquoi cette vie? Je n'en ai aucune idée, les enfants. C'est dur. C'est dur, c'était dur, putain, aujourd'hui. Mais c'est dû à la fatigue, hein. La fatigue de la fin d'année, on va dire. Samedi, vraiment, je dors. Je me force à dormir le matin, quitte à me rendormir. Mais je force pas à me lever. Sinon, je vais jamais assumer Nice. Et sinon, je vais même pas me reposer assez pour mes vacances, en fait. C'est surtout ça. Je vous laisse là pour aujourd'hui, parce qu'après, à part faire du rangement et préparer une voiture, je vais pas faire grand-chose. Enfin, préparer une voiture, je vais enlever le bordel qu'il y a dedans et remettre les appuis-têtes. Je vais pas faire grand-chose. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain. Demain, on va aller courir. Évidemment, il faisait super beau ce midi. On va aller courir demain, normalement, sous la pluie. À tous, on est jeudi. Est-ce que c'est mouillé où je vais m'asseoir? Peut-être. Et bah, je vais profiter. Est-ce qu'on voit ma tête chargée? Ah, c'est juste. Je suis pas sûre d'être en télétravail pour aller courir, pas faire de fractionner, mais d'aller courir tous les deux. Hein, mon chien? Oui, on va aller courir. Je crois que je n'ai pas couru seule avec lui depuis une minute de la trottinette. Je vous mets en petit i.
On te dérange peut-être le vlog concerné. J'espère qu'on voit quand même ma tête, qu'on voit pas juste mes pieds. Pas trop d'appréhension parce que ça date, mais c'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'équilibre, qu'en plus on a sur un terrain pas top top. Donc j'ai un peu peur. Je vais boire un peu d'eau et on va y aller. Voilà, je sais pas si je vais le lâcher, je sais pas s'il y a les chasseurs ou pas. On verra. Il voudra être très sage, oui, oui. Tu vas être très sage avec moi. Hop. Et bah, on finit de se préparer et on vous retrouve pendant le concours. À toutes. Et bah, on est en train de courir. J'ai lâché le faux, j'ai pas défait la laisse. Ça me rassure, même si je pense que ça change pas grand chose. Ça se passe plutôt bien, ça me motive le rythme du chien. Il me pousse un peu à aller plus vite, vu que je peux pas tirer, vu qu'il est en colis quand je le tiens. Donc c'est plutôt sympa, on a fait déjà une petite dizaine de minutes. Et bah, on va y retourner. Ça fait 25 minutes qu'on court avec le loustic. Le loustic est à peu près sage, à part que des fois il me saute dessus. Et il est dégueulasse. On va rentrer à la maison, manger un petit friandise et moi mon repas du midi. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Je retourne bosser et après la soirée du boulot. Petit bowling, fort sympathique. Et bah demain, piscine. Vous avez une petite goutte au niveau où je mets ma tête. Hop, c'est un peu mieux. Allez, à plus tard. Bonsoir à tous. Bonsoir. On est... Vendredi. Je suis en... vacances. Télétravail. T'es en vacances. Et on est à la piscine. Et on est à la piscine pour la meilleure séance de l'année, de la semaine, la dernière. Parce qu'après ils sont fermés. Bah tu vois, ils avaient pas les informations. 15 jours. 15 jours, du coup on va aller dans une. Moi je vais aller dans une piscine. Toi... Enfin déjà la semaine prochaine en vacances, donc on va aller à la piscine en vacances. Ouais. La piscine bien chauffée de Nice. Ouais. Et après on va aller à la piscine. Des Saint-Vulbas. Voilà. 30 minutes. C'est vrai que les gens savent tous où est Saint-Vulbas. 30 minutes de la casa. Et votre petite papa est même. Et je me change et... Non, doudoune, c'est pas très pratique. Hein. Est-ce qu'on en parle de cette séance natation ou pas? Fatigué. Ça a été dur pour tout le monde. J'ai essayé de rebattre mon record en 100 mètres, mais je n'ai pas réussi. Ouais, mais 2 minutes tout pile. 2 minutes tout pile, deux fois. Donc là, on va miam miam au McDo. Parce qu'on n'a pas déjà assez mal mangé pour ma part cette semaine. C'est tellement lourd. Est-ce que tu veux encore raconter ta vie dans mon vlog? Non, il ne veut pas vous raconter sa vie pour une fois. Bon, allez, on vous laisse. Bonjour à tous, on est samedi et pour une fois, j'arrive à faire le vélo. Des applaudissements, s'il vous plaît. Non, vraiment, je suis heureuse que pour une fois, le planning fonctionne. Le chien part pour sa petite sieste. Après, je m'occupe du linge. Moi, je fais le vélo, je vais vous laisser. Hein. N'oubliez pas de vous abonner parce que je vais continuer les vidéos, je vais essayer. Est-ce que j'en ai déjà parlé? J'ai une FAQ à monter depuis 6 mois. J'ai envie de vous parler aussi de l'étude posturale Volodyn que j'ai fait, mais je vais en reparler avec le kiné, voir si je retourne pas là-bas en fait pour refilmer et qu'on discute avec lui de tout ça. De faire en même temps une étude sur mon vélo. À voir, je réfléchis. Et aussi, je voudrais bien faire le point sur les dépenses que j'ai fait en triathlon. Genre juste matériel, même pas engagement, hein. Juste matériel, genre juste lui par exemple. Donc voilà, c'est des vidéos que j'ai prévues de pas faire uniquement les vlogs, vous inquiétez pas. Si vous avez des idées de... Oh mais pourquoi il a mis la roue là, Vincent? Ça m'empêche de bouger le truc. Et donc, c'est pas contre la montre qu'il faut le mettre, c'est pas là, si j'ai bien retenu la leçon. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, si vous avez des petites... Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me dire. N'oubliez pas de vous abonner car je vois dans les statistiques que vous regardez, mais que vous n'êtes pas abonné. Et moi, en tant que tout petit créateur, j'ai besoin de vos petits abonnements au début pour être plus vu et que je sois un peu plus... Pour que je sois mieux référencé par YouTube. Voilà, je vous souhaite... non, ce sera censé à peu près Noël. Donc j'espère que votre Noël s'est bien passé. Je vous souhaite un bon nouvel an. Voilà, bisous. C'est fini le vélo. Je vais aller me laver, préparer le repas de midi, préparer la maison pour aller en Noël. Et voilà. Bonjour à tous, on est dimanche. Et pour une fois, je peux dire que c'est le dernier entraînement de la semaine. Et ça fait plaisir. Et on va courir dans le froid.
avec, comme toujours, le loustic et Vincent. C'est là, gadou, même. Ah, il fait frais, hein. Ah, t'as pas mis le t-shirt assez épais, hein. Hein. Ah. Tiens, accroche-moi cet animal. T'as pas pris la ceinture? Je vais la chercher. On a oublié un truc pendant la course à pied. Quoi? Filmé. Bah, c'était sympathique. C'était sympathique. Il y avait du sol. Ouais, on est blanc. Faut qu'on bronze à Nice. On est blanc. On est blanc. Bah oui, on est blanc en même temps, Vincent. On est blanc. Ah, oh, ça va être long encore une fois. On est blanc. Donc ça, c'est plutôt bien passé. On a entendu les chasseurs, donc on a rattaché la bestiole. Et il faisait froid, mais il y avait du soleil. Donc ça va. Ouais, j'ai dit, bon, moi, il y a un peu froid. Oh, c'est la fatigue. Donc là... J'ai fait ma tapiole à mettre un t-shirt pour mon chambre. Oh, mais est-ce que c'est ton vlog? Au bout d'un moment, si tu veux raconter ta vie, tu fais un vlog aussi. Hein. Les smacks, c'est très bon. On est heureux de cette information, Vincent. Bah, c'est tout pour cette semaine. Là, on va passer en mode de montage et après préparatif du repas de ce soir. Et on se dit à la semaine prochaine. Je peux pas encore faire la blague de l'année prochaine. Si, on fera l'année prochaine. C'est nul, vas-y, cette blague, c'est nul. On leur dit bisous et à la semaine prochaine. D'accord, il veut pas vous dire bisous.